gauche. Ils en ouvrent un, mais ils n'en ouvrent pas deux en même temps. Déjà. Oh là là, mais attends, il s'est déjà blessé. Ouais. Qui c'est? Oh, ah, c'est là, toi. Oui. Bien, Yves. Un point important aussi, c'est que d'autres stations, comme nous, ont posé des préavis pour aujourd'hui, mercredi, si mes souvenirs sont bons, l'Alpe d'Huez le week-end dernier. L'Alpe d'Huez, ça nous a bien motivés, parce qu'ils sont des voisins. Beaucoup de personnel d'ici connaissent des personnels là-bas, donc il y a eu des échanges. Normalement, même le bénéfice de l'Alpe d'Huez, ça ne l'est pas encore, mais quand même. Comme tu vois, je suis en grêpe, je ne peux pas. Allez, fais-nous un grêpe. Vas-y, vas-y. Je revendique. Une heure qui s'en va, moi je dis. Bonjour, vous êtes Jean-Marie Bonjour, Ça en fait, bon, celle-là, elle est déjà. Celle-là aussi, elle va être pas mal. Aurait dû me convoquer avec une délégation de la commission de négociation. Ça, ils pouvaient le faire avant qu'il y ait un préavis, c'est-à-dire les jours derrière. Ils nous signent, ils nous mettent au défi. Donc, Oh!
assurant le bas des, le secours sur le bas des pistes. Attends. C'est quoi leur truc là? Ça permet d'aller dialoguer avec Fran. Il y a du chantage. De la masse salariale, des salaires. Parce qu'apparemment, ils veulent augmenter les salaires. Ouais. Ouais, mais c'est verbal. C'est verbal. Non, il n'y a aucun accord. Pas le truc, hein? Le problème du 8 mars, c'est que le camp qu'on est à seulement cette année. Parce que s'il est annulé cette année, il sera annulé les années pour le suivant. De toute façon, c'est clair. Si c'est pas pour essayer de bricoler cette année, c'est pour les renseignements généraux. Bon, bah, il ne faut rien faire du tout. Bon, d'accord, rien faire du tout. On les connaît tous à peu près, enfin, c'est mon avis personnel. Hein. Ils connaissent tous à peu près un Europe. Là, ils vont en avoir des pêches. Voilà, avec le monde qui est monté, ouais. Ils vont en avoir des pêches. Thank you.
non, mais regarde, il n'y a pas de problème. Il paraît, je ne suis pas sûr. Ring de langue, pour ceux qui parlent une langue étrangère. Il pas de sortie des blessés, faire le jalonnage, la maintenance, elle monte sur les pylônes pour dégivrer. C'est une société qui a beaucoup d'argent. Donc on n'a pas de complexe à demander. Les employés, du respect pour 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 les employés. Le du travail a envoyé un fax à notre direction, je vous le lis. Donc vous êtes à la place de la direction, on est bien d'accord? Et c'est l'inspecteur du travail qui vous parle. D'accord. Voilà, on va payer. Donc l'inspecteur du travail dit à notre direction, monsieur, je réponds avec télécopie du 1er mars, parce que la direction a contacté l'inspecteur. L'inspecteur précise le refus du dialogue, en période conflictuelle ou non, n'a jamais été de nature à faire avancer les choses. Je me tiens donc, l'inspecteur du travail se tient donc à la disposition de la direction, si vous souhaitez que j'intervienne à un moment ou l'autre, dans le cadre d'une éventuelle médiation afin de favoriser la mise en place d'une négociation. L'application de la convention collective, par exemple sur les primes de langue, est de droit. C'est de droit. Une grève ne devrait pas être nécessaire pour l'obtenir. Vive l'inspecteur du travail. Il poursuit. Je vous demande ainsi de commencer par respecter les stipulations de la convention collective. Si une intervention était nécessaire en mon absence, vous pourriez aussi faire appel à mon collègue, M. Pierre Guilly, que je connais personnellement, qui suit habituellement vos entreprises. Ouais, bravo. Dauphiné libéré monte faire une photo à 14h, il faut être là à 14h. Tout à table. Donne-moi le numéro de la PREF. Ouais, quel jour? Dimanche dernier, oui.
avec des portes à 20 euros. Ouais, mais alors tu vois, les gens, on a essayé dans les queues, là, tout à l'heure, moi j'étais dans la queue, et les gens, ils disent, bah oui, on a payé samedi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abonner. Ils savent même pas. Mais ils ont trouvé du personnel. Pour aller pour l'autre. Ouais. Bon. Et puis ça va, manque moins. Hein? On a fait un tour de tout ce qu'on demandait. Alors, sur la prime d'altitude et la prime de langue, il y a une petite avancée, on va dire, parce que contrairement aux noms catégoriques qu'il y avait avant, c'est que pour la prime d'altitude et la prime de langue, on va étudier effectivement comme il y a des interprétations et il faut mettre en place la façon dont au niveau de la prime de langue ça va être évalué, ça on est bien d'accord. Et la prime d'altitude, moi personnellement je resterai cantonné sur le fait que tout le glacier l'est, mais ça c'est pas la réponse de la direction. Par contre, il y a une échéance, c'est qu'on doit tout finaliser pour décembre 2003. D'accord. Ensuite, l'augmentation de 5%. Tiens la tête. Vous pouvez mettre un 0 devant le 5. Hein. Voilà. Non, arrête, alors. Ça, un 0 après le 5. Ça fait 0,5% ce qu'ils nous proposent. Ils se mettent dans le 0,5% d'augmentation. Permettre en fait. Oui. De passer du 35 heures. Voilà. Comme on est. Mais on a comme on n'était pas encore au 35 payé 39, le 0,5 nous permet d'être à 35 payé 39. Mais il faut bien dire que dans le cadre de la négociation que j'avais présentée au mois d'octobre, j'avais dit qu'il fallait arriver là et ensuite négocier au-dessus. Là, il n'y a rien du tout. 0,5, c'est rien. La prime de panier, rien. Oui, alors effectivement... La prime de panier, ils auraient pu arriver, effectivement il y a une excuse qui est valable quand même. C'est qu'au-dessus d'un certain plafond, elle est soumise à charge et imposition. On était au courant des. Mais M. Beaumont n'a pas pu nous dire quel était le plafond. Il y a peut-être une ouverture jusqu'au plafond. Donc, mais bon, peut-être. Hein. Le plafond, ah oui, lequel plafond, ouais. Celui-là. La prime de fin de saison, c'est non. Et alors là, faut pas laisser passer. Et les contrats. Les contrats. Gilles, les contrats. Attends, on se dit bien. Bonjour. Je ne m'explique pas, Gilles, sur ce point. Alors, en fait, la prime de fin. Oh. Donc la prime de fin de saison, ils sont pas d'accord. Parce qu'il part du principe que donc votre fameuse prime des 3 pp, que la plupart des gens aimeraient voir juste... On n'entend rien. Alors approchez-vous. Oui, alors pour la prime de fin de saison, la direction estime que du fait qu'on a une évaluation en courte saison et une prime 3p, c'est largement suffisant. Et qu'on n'a pas besoin de plus. Non, il faut que... On a soumis... Du 20 décembre au 8 mars, les contrats minimaux seront du 20 décembre au 5 avril. 5 avril. Oh. Donc, il y aura plus de contrats... Ah bah ça, c'est pas mal. Soit de 15 semaines. Alors, attends, c'est un point positif, ouais. Elle a besoin de la saison, c'est pas ça. Si, si. L'augmentation du prix, je pense que c'est important pour aller la saison. Il me dégoûte. Mais pourquoi je classifie? Tu t'en fous, tu vas voir Saint-Étienne ce soir. Non mais sérieux, il me dégoûte. Pourquoi j'ai froid aux mains? Pourquoi j'ai les lèvres comme ça?
Sérieux. Non, mais ils arrivent à t'embrouiller parce qu'ils t'alignent tellement des chiffres. Tu vois, quand tu rentres dans ces chiffres-là, à un moment donné, ils arrivent. Oh, il y a les médias là. Dans les gourdes, elles ne sont pas ouvertes. C'est pas grave, je suis dans les gourdes. Dans les gourdes, bon, je sais pas, mais et soir, il faut absolument qu'on se réunisse pour qu'on trouve une nouvelle tactique là. Une tactique de quoi? Je sais pas, moi je sais pas. Si tu veux trouver une nouvelle tactique, on va rentrer dans le... 70 selon les syndicats. Sur place, on essaie de gérer la crise face à certains vacanciers qui n'apprécient pas du tout la plaisanterie. Le reportage. Les deux Alpes à la mi-journée. La détermination des grévistes ne faiblit pas. Pourtant, le ski n'a pas perdu ses droits. 70% du domaine ouvert, c'est mieux que les deux premiers jours, mais pas assez pour les skieurs. Dans les rangs des vacanciers, la grogne commence à gagner. Non, ça va pas? Non, ça va pas. Non. Pourquoi ça va pas? Parce qu'on a payé un forfait 1000 francs et on peut même pas skier sur la moitié du domaine. Et voilà, c'est inadmissible. Une clientèle insatisfaite, rien de pire pour une station de ski. Ah oui, d'accord. Donc, si on veut aller... Alors depuis trois jours, on joue la politique des soldes, jusqu'à 60% de rabais sur le forfait journalier, remboursement partiel voire même total des forfaits hebdomadaires sur simple formulaire, un peu de baume au porte-monnaie des skieurs en attendant de sortir du conflit. Les finances de la station en prennent un coup. La priorité, c'est d'arriver à rétablir très très vite l'ensemble des conditions qui nous permettent d'offrir nos prestations à nos clients et on fera le décompte des mauvais comptes après. Une petite idée quand même des mauvais comptes. Depuis dimanche, les deux Alpes affichent déjà un manque à gagner de 400 000 euros rien que sur les forfaits journaliers. Pertes financières et mécontentement, de tout cela, les grévistes sont bien conscients. On ne prend pas les touristes en otage, nous les respectons, ce sont notre pain, c'est eux qui nous amènent les fonds pour vivre. Nous respectons notre clientèle. Ça doit les empêcher un peu skier, hein. De toute façon, je connais aucun mouvement de grève qui n'ait pas créé des mécontents. Hein. Certains skieurs râlent, mais pas de quoi perdre le moral et surtout le goût de la glisse. Aujourd'hui, ils étaient plus de 15 000 à dévaler les pistes des deux Alpes. Et demain, les grévistes décideront de la poursuite ou non de leur mouvement. Retour